VOD. Suite The Stray en musique et en douceur. Et c'est parti pour la suite. Et on va aller avec Momo dans les égouts. 28 octobre, le DLC de Resident Evil Village. Ok, bah c'est parfait. On le fera. Momo, attention sur bateau. Tu peux aller dire à ton vrai, mais... As-tu fait tout ce que tu voulais faire ici? Est-ce que je vais enfermer la porte derrière toi? Je n'ai pas envie d'y sortir des herbes. Ouais, ouais. Je suis sûr que je reviendrai ici, c'est sûr. Et sinon, c'est pas grave. Je vivrai bien. Oh, c'est trop mignon! J'adore ce petit ponton. Hey, coucou! Ça fait quoi de filer un rendez-vous à un chat? C'est incroyable qu'il puisse trouver une taquille au plus du diffuseur. Avec ça, on va pouvoir trouver ce plat de dessert. Et moi, je pourrais retrouver mes compagnons chauds. Parce que c'était ça, à la base. Nous, on va retrouver nos compagnons chauds. On va retrouver les chauds. On va retrouver les chauds. On peut plus compter sur ces modos. Mais si, ma femme. Les égouts. Ça va être cool. Si, ça va être cool, chaton. Ah! Dommage qu'il soit pas assis. On peut pas, on n'a pas une touche pour s'asseoir. C'est dans ma dernière chair de poule. Je peux pas avoir des frissons, un robot en vrai. N'importe quoi. Oh, il est trop mignon ce chat. Ah. Que je voulais faire et qu'on fera peut-être ensemble, on verra. Je sais pas pourquoi j'y pense à ça. J'ai un seul nom de pensée. Qui va sortir sur PC, c'est Spider-Man. En fait, je me suis dit, après j'aimerais bien un jeu où on a qu'un aurait qu'un animal. Après j'ai pensé à des insectes, après j'ai pensé à des arachnides, je me suis dit avec un jeu on a qu'un aurait une araignée. Est-ce que ça existe un jeu on a qu'un araignée? Et du coup j'ai pensé à Spider-Man, je me suis dit, ah oh, attends, peut-être qu'on le fasse, on verra. On verra, on verra. Voilà. Je pense à des trucs existentiels, moi, dans les phases de pause. Ah, pas du tout comment on va cette porte. Tu peux aller voir de l'autre côté? Oh, mais je veux pas nager, hein. En plus, ça a l'air dégueu, hein. Ça peut pas avoir faim non plus, pourtant, ça t'a demandé à Poncho. Ah, oh, ça peut être. Ouais, bon, juste à vous, j'avoue. Mais il est hypochondriaque. C'est pas un petit peu hypochondriaque. Oh, oh les Zerks, tout balèze. Oh putain, y a là il y a du furoncle niveau Delta là. Comment on fait? Franchement, on les fait tous, hein.
Ok. On a qu'un. Ok, on a un peu nettoyé la zone. Allez, je vais monter. Je peux pas. Oh, je peux pas. Ah, mais c'est ça, j'avais pas vu. Déso. Ouais, Spider-Man, il était pas encore sorti sur PC. Non. Il sort cette année sur PC. Je me demande s'il sort pas cet été d'ailleurs. Et ils en ont parlé au Summer Game Fest et je me disais pourquoi pas le faire. On verra, en vrai. On verra, mais ouais, c'est une possibilité quoi. Parlant de chat, c'est le quart d'heure de folie du mien. Il fait des sprints étage, escalier, bas. C'est sur le canapé. Il a quel âge ton chat? T'as un jeune chou? Mais t'es jamais étoilé... Je m'étais jamais auto-éloigné des taudis. Tu es à mes côtés. J'ai même pas peur. En vrai, quand j'étais petite, mon chat, il me rassurait un petit peu. Parce que, bah, un viveur est chaussé. Et en vrai, des fois, j'entendais des bruits sur le balcon et tout. Et la porte de la fenêtre donnait sur ma chambre. Quand j'étais petite, bah, parfois, ça me rassurait pas. Mais j'avais souvent les balls d'aller voir, quand même. Toute seule, en mode... Toute seule en culotte, quoi. Ah, j'étais un peu gueudin. On me rend compte qu'en fait, c'était le vent. Pas bon, chaussette à se mettre sous la dent. Partout, point de copus. Plactel. Plactel 2, je sais plus comment. Je sais plus le nom. Je crois que c'est au mois d'août aussi, peut-être, non? Ah non, c'était au mois d'octobre. Bien sûr, c'est un an. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. C'est là, tu nous avais dit que c'était un jeune show. L'imaginerie est complètement cassée maintenant. Je crois qu'on peut ouvrir manuellement. D'accord, j'ai compris, je dois t'aider, bro. Une warrior, ouais. Bon, en vrai, je savais que je flippais pour que dalle, du coup, bah ça m'aidait à avoir moins peur. Let's go. Je peux venir avec toi, je continuerai de chercher la sortie. Quand tu trouveras ce mal trésor, et Clémentine, tu verras que j'ai fait preuve de courage. Bah oui, bro. Monsieur, bro. Oh. Bizarre tes égouts, en plus d'être plein de furoncles. Oh, pourquoi c'est tout propre ici? Ah, c'est pas tout propre en fait. Sauf qu'il a un souffle au cœur. Il faut qu'il se calme un peu. Oh, déjà ? À son âge ? Oh, petit chaton ! Faut que j'aille là-bas, j'imagine ? On va visiter un peu avant. Il a déjà pété. Fais attention.
pour partir, peut-être, ça ? Se rappeler ? Ah ! C'est pour un... D'accord. Un souvenir, hein. Les égouts, oui, je me rappelle maintenant. L'eau pure était rare. La ville était alimentée par une énorme machinerie qui creusait profondément dans la terre. Comme pour tout le reste, l'eau était rationnée, afin que tout le monde dispose quand même. Lors des périodes de sécheresse. On dispose quand même. C'était plus malin. J'étais plus malin. Le scientifique m'avait montré un plan de des réservoirs d'eau. Il était énorme et aurait pu contenir un bâtiment tout entier. Oh ! Niveau souvenir, j'en ai pas beaucoup, hein. Éclaire-moi. De la naissance. Ah, ok. Bon, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah oui, on cherche Zblatazar. Ça, Zblatazar ? Ou Zbaltazar ? Non, Zbaltazar, pas Zblatazar. Ouais, Zbaltazar. Oh, je sais plus. On cherche l'autre. Oh. Let's go. C'est chiant là! Ça va. Franchement, il met pas très longtemps à se recharger, donc il est ok. Tu juste par principe, parce que je crois que j'ai même pas besoin d'aller là-bas. Hein. Je crois, hein, en vrai. En fait, je sais pas où je vois rien. C'est chiant, je vois rien, je peux pas utiliser mes super sens de champ. Mais bordel! Non, il a pété. J'ai pas fait gaffe. C'est des tics. Franchement, oui. Mais bon, avec celle-là, tu risques un peu plus que la maladie de Lyme, quoi. Mieux le carreau y répondre. Rien à battre.
On peut peut-être être pote avec tous ses yeux. Non mais arrêtez, je suis une pote. On te voit, hein. Je pense qu'effectivement cette phrase est correcte. On va courir un peu. Vous pensez que c'est les yeux qui m'éjectent un peu leur furoncle à pattes là? Ou ça n'a rien à voir? Parce qu'ils ont l'air choqués quand les trucs sortent. Je sais pas qu'en penser là. Là, je sais pas là. C'est bizarre. Personne ne connaît Amy de Picsou. Alors, la bande à Picsou. J'ai toujours détesté. Non, vraiment, je sais pas. C'est genre de truc. Enfin, j'ai toujours détesté. Les seules fois où je suis un petit peu tombée dessus, vraiment, je m'intéressais zéro. Mais je sais même pas si j'étais... si c'était pas un peu vieux déjà à ce moment-là. Peut-être pour ça. Ah mais tu verras bien, mais j'ai essayé, ça fait rien. Je vais voir si au moins ça va leur piquer un peu les yeux, s'ils allaient faire ça. Ils ont pas fait ça. Ça craint un peu ce bruit, non? Attendez, ils ont l'air choqués. Ah, il est tombé dans la flotte. Ah, dans le... de ce truc. Ok. Comment je sais qu'il est par là? Oh, il y a une flèche. Il est par là. C'est sûr. Oh! Ah voilà. Oh, il se fait... Non, il se fait envahir. Non, il se fait déborder.
J'ai plus d'armes. Ça a cramé. Oh, les chatons, ils ont couru. Let's go, chatons. Bah mauvaise pioche en fait. Pas grave. He's okay, he's okay. Oh petit chat, mais oui, le petit chat. Il a sauvé le robot. J'essaie de le réanimer en lui miaulant dessus. Détruit super vite quoi. On a fait une mission avec le diffuseur. Petit passage, c'est pratique ça. Parfait pour le petit cul de chat. Un voyageur venu d'ailleurs. Un voyageur venu d'ailleurs. Oh. Un voyageur venant des égouts. On n'avait pas vu l'un des vôtres depuis des lustres. C'est toi qui nous a contactés un peu plus tôt, petit extérioriste. Petit Balthazar, l'extérieuriste attendait. Il est en train de méditer au sommet de notre village. Félicitations! Merci, j'ai trouvé! La fourmilière. Il a l'air sympa ce village, là, avec tout plein de... Il a l'air sympa, il y a des plantes. En vrai, j'en sais rien. Ça fait un peu penser au village des robots. De Nier Automata. Sur hauteur, dans un arbre. Cette machine, le scientifique dont j'étais assistant en utilisait une comme ça. On dirait un incubateur là, quelque chose comme ça. Il était malade, c'était son dernier espoir. Il est entré dans la machine. Mais je ne l'ai pas accompagné. Il était seul. Que faisait-il? Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Mais il a eu un problème lors de l'envoi. Il est resté bloqué des centaines d'années. Jusqu'à ce qu'un petit chat apparaisse. Moi le petit chat! Le village de Pascal! Ouais, voilà. C'est donc ça? C'était ça? C'était moi le scientifique? C'était moi? Il a transféré ses pensées. Pascal, c'est pas Pascal? J'étais humain. J'ai besoin d'une pause.
Je suis désolée. Pas tout de suite, j'ai pas envie de parler pour l'instant. Bah, je peux rencontrer personne si tu traduis pas, bro. Coucou! C'est trop drôle. Ah, ces petites interactions. Je pense au village de Pascal Nier Automata. Ah, c'est pour ça, meilleur personnage du jeu. Oui, mais bah on parlait de ça, Clésion. Je disais que ce village, tout en rond, en hauteur, peuplé de robots, un petit peu avec un côté végétation et tout ça, me faisait penser au village de Pascal de Nier Automata. Enfin, j'ai dit au village du robot, et Infernalou a dit « Village de Pascal !» Et du coup, t'as dit « Village de Pascal !» Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'est pas Pascal ?» Et voilà. Et voilà où nous sommes devenus dans la conversation, quoi. Mettre la viande dans le torchon. On stream à tous. Ça marche. Télégring, des zoubis. Très bonne nuit. On va voir si on a un point de vue peut-être un peu éloigné du village. J'aimerais bien. Non, on s'éloigne. Ça va quand même. Sympa. Avec la cascade et tout, c'est cool. Je trouve ça très pipou. Puis très sympa de voir les robots qu'on voit là en train de jouer, faire de la peinture et tout. Je sais pas, c'est... des petites scènes très cool. Et c'est tout smooth quand ça revient au chat. Non, c'est y a plein de petites idées cool. Ah ça y est, il va mieux. Voir de la pie. Ouais, bah c'est... disons que... autant ils sont quand même dans les égouts, mais ce village a l'air plus joyeux que le village d'avant. Pour le moment. Il est aussi un petit peu plus... un peu plus mimi. Et j'oubliais d'autres. Tu dois bien avoir des parents. Oh non, ça roule. C'était ça. Tu dois bien avoir des parents, des amis. Que leur est-il arrivé? Ça? Que leur est-il arrivé? Ah, c'est mieux ça, je pense. J'ai changé son pas exprès. Putain. Je voudrais voir la cité, mais reste-t-il seulement quelqu'un à sauver? Allons-y, enfin! Je peux pas rencontrer... Ah, il veut toujours pas que je rencontre... franchement, ta dépression commence à m'agacer un petit peu! Ouais, mais là, je peux pas... il va pas vouloir faire la trad. Il me faut la trad. Qu'est-ce que c'est? Le chat qui flippe, c'est juste trop drôle. Oh bon.
lui dire qu'on n'interrompt pas quelqu'un en pleine séance de méditation transcendantale. Ah, c'est toi. Tu étais avec Momo quand on a reçu cet appel. Je suis heureux de faire enfin ta connaissance, petit extérioriste. Tu connais Momo et Doc. Alors, tu nous connais aussi, non? Les extérioristes. Ils me mentent. Leurs souvenirs apportent la paix. Momo est resté dans les taudis. J'ai entendu dire que tu avais aidé à trouver Doc et qu'il ait menti. Elle est au centre-ville. Maintenant, si tu veux toujours voir l'extérieur, c'est elle qui pourra t'y emmener. Apparemment, elle avait une sorte de plan pour quitter la ville. Tiens, prends ça. J'ai écrit son adresse au dos de cette photo. Nouvel objet acquis. Nouvel objet acquis, je veux dire. Pour rallier le centre-ville, monte dans le petit village. Pour être aussi agile que toi, ça ne devrait... Pour un être aussi agile que toi, ça ne devrait pas être compliqué. Bisous, Trapile, très bonne nuit. Si tu parviens à atteindre l'extérieur, tu seras le premier. Je te souhaiterais bien bonne chance. Mais tu n'en as pas besoin. Je crois en toi. Désolé de m'être éteint tout à l'heure. Je suis humain, sans doute le dernier au monde. Et regarde ce qui reste de moi. Tant de souvenirs remontent à la surface. Combien en ai-je oublié? Non. Peut-être qu'en trouvant Clémentine, on pourra restaurer ma mémoire. Et te faire entrer chez toi, en même temps. On peut redescendre pour obtenir d'autres renseignements auprès des compagnons, ou poursuivre en direction du centre-ville. Fais un petit tour quand même, maintenant qu'il veut bien parler l'autre là. On va monter déjà. Ah bah non, mais si je monte. Bah voilà. Très bonne nuit, Trapile. Il n'y a pas de B12 dans Nier Automata, mais il y avait 2B9S82-60, etc. Ouais, il y avait Teubé, ouais, je me rappelle. Ouais, là, je vais plus voir personne, je pense, si je continue à monter. Ah, peut-être que si, en fait. Mais on va commencer par le bas. Je peux descendre, par contre. Il me propose plus de descendre, c'est chiant. Ah, c'est bon. Ah, ça me réveille quand je miaule. Je vois des ondes et des déchets qui tombent. Qu'est-ce qu'elle s'attirante sans danger? Quel jeu merveilleux où ciselait ma poésie. Tiens, écoute. À toi, puissant béton, bouclier noir et sombre, seras-tu aussi dans ma tombe? Et dans un tombeau pleuve? Non, tu me fais penser à quelqu'un d'un autre jeu. Isaac. Évidemment le canapé. On n'avait pas trop fait sur le canapé pour le moment. Remember. Bimbo. C'est bien. Les robots compagnons l'ont inventé à partir de rien. C'est très impressionnant. Je me souviens que c'était passé quand j'étais dans le réseau.
Je ne sais plus exactement, mais à un moment, toutes les communications ont commencé à afficher ce symbole à la place. J'étais bloquée dans un ordinateur et seule pour longtemps. Alors j'ai traduit chaque symbole et chaque mot un par un, jusqu'à être capable de tout comprendre. Maintenant que je suis sortie et que je comprends leur langue, je suis curieuse d'entendre ce qu'ils ont à dire. Bah ça c'est bien ça, parce que moi aussi. Donc tu seras bien, bien sympatoche de traduire. Oh bien bonjour, nous n'avions pas eu de visiteurs depuis si longtemps. Enfin, si on accepte cette adhésion, bien sûr. J'imagine que l'on puisse contrôler leur puissance, les faire trotter dans une roue et gâcher d'énergie. Imagine pas, j'imagine. Quand je serai grand, je vais comme tenter ma pire. J'aimerais bien aller explorer le monde comme elle. Les adultes qui ont interdit de quitter la fourmilière. Les adultes nous ont... Je sais, je dis n'importe comment. Oui, oui, d'accord. Oui, Billy, tu es où? Je sais pas quoi. Je vais redescendre. J'ai pris une fleur. J'ai pris une fleur violette. Ça va sûrement me servir à de cadeau ou d'échange. Non mais descends. Il veut pas les rencontrer, du coup. Savais-tu qu'il existe plus de 900 nuances de peinture blanche? Je ne répète à personne, mais je suis en train de créer ma propre nuance de peinture. Je vais l'appeler brun comme l'or. C'est super. Mais dans sa période déconstructiviste, selon elle. Je dirais qu'elle deviendra une grande artiste. Si seulement elle pouvait aller se faire la main ailleurs. J'ai rafale de l'odeur de la peinture flash. Ça me rappelle Hein? Sans rien. Comme c'est triste. Du coup, il souriait et il sourit plus. Oh! Mais je peux faire un truc. Oh oui! J'en ai foutu partout. Je peux pas monter là pour faire tomber ça? Je suis un peu deg. Du coup, ici, il y avait personne. Bon, je vais parler à ceux qui font du domino, mais faut que j'arrête de tout écraser. Statistiquement, j'aurais dû gagner au moins 8 fois. Une partie gagnée à 6. Rappelle à personne qu'en réalité, je suis programmé pour gagner à ce jeu. Oh, mais c'est pas grave, c'est qu'il y a un jeu, hein. T'as rigolé de tout niquer. Bisous Grisou, bonne nuit. Quand tu iras faire Nalou. Mais oui, mes modos vont se coucher. Il reste plus qu'à faire Nalou.
En fait, cette nourriture est horrible. Mais c'est tout ce qu'on peut faire ici. Je vais devoir me dévisser le moitié frontal si je continue à manger cette saleté. Oh mais arrête de m'interrompre quand je parle. Oh monsieur Ram, je vous sers, ma spécialité, c'est le surcyclage des restes. Salut jour, ramène J45 avec mon ingrédient secret. Qui t'a parlé de l'ingrédient secret? Ingrédient secret. Attends, il mange quoi? Ah, c'est des fils. Des fils, des câbles électriques. Hey, petite Winette! Hey, hello, mais dis donc, Ray! Comment qu'il va, celui-ci? Et toi, petite Winette, quoi de neuf? T'as vu, je joue un chat. Oh, fleur jaune. C'est pas pour le peintre, ça? Ou la peintre? Ok, y'a rien par là. Oh, je peux pas monter à ça? Mais pourquoi? Mieux. Ah oui, je peux faire ça. Ah, ou alors c'est pour toi, les fleurs. Salut, ami, comment vas-tu? Tu savais que ton Clémentine nous a appris comment faire pousser des plantes spéciales? Tu peux vivre sans lumière du soleil. L'énorme collection! Tu veux la voir? Il me manque encore certaines couleurs. Même en fleurs jaunes, fleurs rouges, fleurs violettes. Si seulement quelqu'un de petit âgé pouvait bien les trouver. Mais ça, moi, j'y ai, moi! J'en ai 2/3. Rouge, c'est ça la dernière qui manque. Bah, si on voit rouge. On y go. Ça, c'est un gamin, ça. Je m'ennuie. Parce que Martin faisait classe ici. Il y a un peu plein de trucs en bas. Merci beaucoup! Dire t'es la meilleure, attends 6 mois. Non, je suis descendue, je voulais pas du tout. Attends 6 mois. Merci beaucoup à la top. Pour ton abonnement, faire un Cormoran to be Hibernator Smartisms. Je savais pas comment le prononcer déjà à ce moment-là. Ok, le bison futé, merci. Merci beaucoup. Vaillèche? Comment ça, Vaillèche? J'ai compris l'enchaînement. Merci beaucoup pour les subs, c'est beaucoup. Mon pote, il vient une fois et ça, il a un sub. Mais oui! Ça, mais il y a tout le temps que dalle. Mais oui, mais je sais pas ce qui se passe avec Sam à chaque fois qu'il y a des sub gifts. Il en fait jamais partie. Jamais. Je sais pas ce qui se passe. Et je sais pas si Twitch fait pas un peu exprès. Je sais pas pourquoi, mais... Merci beaucoup! Attendez, y'a pas de fleurs rouges? Parce que moi, c'est ça que je veux. On va en haut. J'ai pas vu en bas de fleurs rouges. Donc je pense que... On va l'explorer. Quoique, ça doit être autour. On a trouvé les deux autres
On devra quand même regarder cette histoire de fleurs. Ça me perturbe un peu. Non. Ça, j'ai pas fait ça. Oui, oui, 10 secondes, je vais faire ça. Voilà. Je fais partout où je peux, puisqu'on sait jamais si un succès est débloqué, bah je l'aurai. Mais je crois qu'en fait, Sam il m'avait dit qu'il avait désactivé un truc pour pas recevoir de sub-gift de chaîne où il n'est pas abonné. Mais je me demande si du coup ça a pas fait pour toutes les chaînes en fait. Même celle auxquelles il est abonné. Il est abonné, il est follow plutôt, c'était ça. Ah non, il y a pas de fleurs rouges ici, hein. Ok, bon peut-être qu'il faut la trouver en s'éloignant du village alors. Bon bah je vais monter du coup. Et juste pour être sûr de pas avoir loupé un truc. Y'a pas de fleurs rouges ici? J'ai pas l'impression. Remonte, chaton. Oh, là-haut. Dans le pot, je crois que c'est des fleurs rouges. Mais je pourrais pas y aller dans le pot. Mais non, on est chez la... Chez la fleuriste, du coup. Bon, si je prends une fleur à elle pour lui offrir après, je pense qu'elle prendra un chouïa mal. Il va... Ce qui aura une certaine logique. Bon bah on va continuer à explorer alors, peut-être que c'est plus loin effectivement. Est-ce que je peux aller là-dessus? Non. Bon, tirons-nous. On va aller voir Clémentine. En tout cas, il est sympa ce village. Du coup, on a plus d'armes? Attends, on a plus d'armes. Ils ont objet. J'ai qu'une photo, donc je sais pas si ça va être très utile. Trop.
Regarde, c'est une station de métro. J'avais complètement oublié que ce moyen de transport avait existé. On pouvait aller partout en ville. Les gens s'en servaient pour aller au travail. Je le prenais aussi. Chaque matin, après avoir dit au revoir à ma famille chez moi. Ma famille de chez WAM. Je me rappelle, c'est pour eux que je le faisais. Mais ils sont partis maintenant. C'était il y a longtemps. Ils voulaient voir l'extérieur. Est-ce que ça a encore une quelconque importance? Leur est-il arrivé? Sont-ils devenus? Enfin, on approche du centre-ville. Allons trouver tes mentines. On a une photo d'elle à montrer, Nénine. Allez, allez, let's go. On va montrer la photo avec mon... Non. Bien grand, dis donc. Ta voix, merci. Je travaille beaucoup. Ok. Il y a plein de livres ici. Héritage du test de Turing, éthique de l'intelligence artificielle. J'en connais certains. Ça vient d'une bibliothèque. Je me souviens que rien n'égalait l'odeur d'un livre dont on retourne les pages. C'était une sensation presque réconfortante. Lire, c'était comme passer du temps avec quelqu'un. Solitaire avec tu vois. Oh! Ah, il se frotte, je croyais que je pouvais gratouiller. Ils ont tous cette photo, hein. C'est quoi que tu as fui? La porte est fermée? C'est trop marrant. Oh! Et un petit robot? Je te l'ai déjà dit 5 fois, Yosh. Tu ne peux pas courir partout comme ça, c'est dangereux. C'est la première fois que je vois ce genre de robot. Tu as l'air trop doux! Gamin. Occupez-vous de moi un peu là. Ne vous souciez plus des déchets, mais qu'en corporation on s'occupe de tout. Veuillez décliner votre identité. Coopérez ou nous allons devoir vous transférer en prison pour vous réinitialiser. C'est votre client. Pas moi, de façon. Je l'en fais. Vous cherchez Clémentine, pareil, qui se cache dans la résidence. Ah, il la balance Clémentine, quoi. Ça me vénère. Accès au niveau inférieur strictement interdit pour cause de danger biologique.
veuillez ne pas vous approcher de ce secteur. Centre-ville. Bonjour. Vérifiez ça. Demain, si je déplace mon bras à un autre, si je remplace mon bras par un autre bras robotique, et le lendemain, mon autre bras aussi. Et puis mon corps, ainsi de suite jusqu'à avoir remplacé toutes mes pièces et amélioré mon logiciel. Serais-je le même robot que celui auquel tu es en train de parler en ce moment? La fameuse question du bateau de Thésée. Le truc, c'est que Clémentine, je trouve pas. Salut, je suis au travail, à plus. Bonjour, mon chef, qu'est-ce que c'est tout, hein, l'agent Cabin, ça t'a raté pour rien. Ça t'a raté pour moi, mon chef. Ça t'a raté. Il fait au travail ou pas? Et du coup, il doit ouvrir la porte. Hein, bon, elle se barre avant. Si des cocottes font travail toute la journée pour collecter les déchets et les renvoyer à l'étage inférieur, où ils les recyclent et les réaffectent. Et puisqu'on parle de l'étage inférieur, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de nouvelles. C'est une jolie photo, ça! C'est une adresse au dos! Le premier symbole est une rue. Puis c'est un étage et un numéro de porte. Ça ne devrait pas être bien dur à trouver. Ok, let's go, on va regarder. Non, je vais faire examiner. Ok, c'est ça. Après 3 points, après 5 points. Ok, ok. Le commerçant Necocorp. Désolé mon petit, tu ne peux pas jouer par ici. L'usine Necocorp n'est pas un endroit pour une petite boule de bois comme toi. Là, c'est interdit, mais seulement pour quelques temps. On peut patienter quelques années, on reviendra bientôt. Pas de sous, ça. Je suis occupé, qu'est-ce que tu veux? Il. Salut, Smart. Smartisme. Il est peut-être parti à la top, mais oui, c'est lui qui doit faire un sub. Le club est fermé, dégage. Ah ouais, t'es qui, la police? Tout le monde la recherche. Je vais pas laisser rentrer si c'est ce que tu veux savoir. Ça va être sympa, cette citerne. Oh, il y a des fringues. Ça, c'est pour celui qui trempe tout le temps, ça. Je lui ramènerai un souvenir. Il tue un de ces punks qui écoute de la musique à fond toute la journée. Ne touche à rien, ne fais aucun bruit, ne demande aucun plaisir. Pas le même accueil d'un coup, hein. Je suis légèrement désabusé. Nice doudoune. Elle est trop grande, cette ville, elle est trop grande. Trop de choses à voir, là.
peux pas monter il y a une seconde? Et voilà. Oh mais je peux pas y aller. Oh, tu chaton. Ils sont pas surpris de me voir. J'ai que marcher près de l'ascenseur quand les sentinelles m'ont rendu dessus. Ça fait 10 années qu'on nous raconte que la surface est inhabitable. On accepte ça comme si c'était comme enfin établi, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, quelle jolie photo! Je crois qu'elle me rappelle quelque chose, mais j'en suis pas sûr. Mon disque dur bug un peu ces temps-ci. Désolé de pas pouvoir t'aider. C'est quoi mon ami, ne t'approche pas des sentinelles. Elles sont méchantes et elles ont eu mon pote Pablo. Il en a pris pour 350 ans, alors fais gaffe. Oh Clémentine, à ta place j'éviterai. Tôt ou tard, elle se fera prendre par les sentinelles. Et continue à demander autour de toi et tu finiras par trouver. Sache simplement que tu trouveras aussi des ennuis. Je vais éviter de demander à la sentinelle alors. Une sentinelle, un sentinelle. On dit quoi? Une sentinelle? Hello toi! On y va! Que puis-je faire pour toi, chef? Régler avec du vrai argent. Régler quoi? Les boîtes sont vides, hein. J'ai tout pété, hein. Ça me plaît beaucoup. C'est beaucoup trop pipou quoi, je dis pépé. Attendez, j'ai des messages sur Discord. Hop. Ok. Non mais voilà quoi, je monte sur le gars il est choqué, puis il me caresse un peu, puis voilà. Bizarre, tout ce que je viens de dire là. Bizarre. La musique est un peu trop angoissante par contre. Viens, elle est pas apaisante cette musique. J'ai essayé de télécharger une assistante à l'HD pour être le meilleur à ce jeu. Et je me suis retrouvé avec un logiciel malveillant. Je ne sais pas pourquoi, mais toi viens me distraire maintenant. Il faut tout. Oh, regardez, j'ai vu cette fille. Elle cherche des informations sur toutes les sortes de très. Sur toutes sortes de très vieilles machines bizarres. J'ai maîtrisé tous les jeux qui ont existé. Mais je comprends rien à celui-ci. Il y aura quelque chose qui m'échappe. Ouais, ok. On va mettre une petite musique là, parce que celle-là, elle est angoissante. On l'entend à peine. Allez, moi une vraie musique là. On entend rien. Je sais pas, Tana. J'aime à peu près tout. Les photos, on va changer. Ma boisson préférée, c'est Vivinia. C'est quoi la tienne?
débile. Qu'est-ce que je sais aujourd'hui, mon petit monsieur? Notre monde doit apparaître gigantesque sous tes tout petits yeux. J'aimerais bien être aussi petit que toi pour explorer les moindres recoins. On me dit tous à peu près la même chose, là, du coup. Oh, c'est mime, si, si. Ok. Bon, alors, on se tire d'ici. Ok. Il y a trop de gens. Des cassettes. Et des cassettes auprès de nous. On t'a pas appris que voler, c'est des balles. Je peux t'en donner, mais je vais faire quelque chose pour Jeanne, Nico et moi. Les sentinelles ont installé 3 caméras de sécurité pour nous surveiller. On n'aime pas ça du tout. Tu peux nous en débarrasser? Et que t'en veux aussi? Ok. Okay. On peut faire un truc avec ça? Les caméras. Ils avaient prévu qu'il y aurait des chats. Du coup, ils ont mis des pics. Dans ce monde où il n'y a pas de chats. Et de une an. Elles tiennent pas très très bien quand même. Pas foufou quoi, comme matos. Elle est où la dernière? Est-ce que vous voilà quoi? Il n'y a pas une au niveau de l'arbre? Descendre pour voir si j'en vois une autre. Là, j'ai pas trop fait gaffe. Enfin, j'en avais vu une, je me suis dit, je vais m'occuper de celle-là, mais vu qu'il y a la deuxième qu'on a faite, la troisième doit pas être loin. Ah, j'entends. Ouais, il y a un truc qui fait vu. Je sais pas si c'est les robots. Tu peux m'aider à trouver l'autre? Non. C'est pas grave, hein. Bon, bah je sais pas. Ouais, je crois que c'est le robot là qui faisait du bruit. Il y en a pas autour là? Autour de eux? Ou alors faut suivre le câble jaune. Ce que je vais faire. Vu. Ah ouais? Ils sont fixés avec la pâte à fixe. Tu l'as vu?
fait ce bordel? Ah oui! C'est bon, j'ai vu! On est en face. Ok, ok, j'ai vu. Ciao. Ouais, pas un point de vue de dingue, mais... Ouais! Je peux descendre là? Non, je peux pas. Il faut que j'entends la musique. Bien joué! T'en croyais pas capable. Tiens, prends ta récompense, tu l'as bien mérité. Profite de notre chanson, tu vas adorer! Elle est effectivement assez fantastique. Ça groove un max. Ok. Eh ben, je me tire. C'est une super mission. Comment t'as publié la feuille du personnage? J'ai passé toute la semaine à préparer cette mission. C'est... Il y a Stranger Things en robot. J'ai mis. Et je vous crois même. Les échanges dans cette caverne, allons-y. Bonsoir, Sport Billy. Just Billy. Just Billy. Billy. Pardon. Je vais gratouiller ici, moi. Ouais, quand je gratouille, j'y vais prendre go, quoi. C'est quoi ce prix? J'ai dû profiter tout le roulement le mois dernier. Trop d'infos. Je voulais pas autant. Trop d'infos. Ok, on en vient de là-bas. On y est déjà allé. Et ici, il y a que dalle, hein. Tagono. Oh, je peux aller là. Yo, what's up, Baba? Comment qui va le Gweno? Oh, j'ai pété le... Oh, oh waouh. Je suis un chat sorcier. J'ai pété la poterie comme ça. Oh, un chaton! Veuille tomber. Par contre, ça, je pète aussi, hein. Faut pas déconner. Hein. Oh, je peux pas, j'ai trop poussé. Oh, j'ai trop poussé. Hein. Mais c'est ravissant ici, regardez ça. Oh, il y a la copine, il y a Clémentine. Non, c'est Clémentine. Je pense. Oh, il a eu trop peur, le chaton. Mais oui. Je t'avais pris pour un tésor. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, Clémentine. Attends. Hasard, c'est résolu, on peut y quelqu'un. J'imagine que tu es ma nouvelle recrue. Tu n'es pas bien gros. Ouais. Comment tu fais pour franchir les égouts? Tu es bien malin. Je suis pas bien gros. Cherche à moi d'accéder à l'extérieur depuis que j'ai quitté la fourmilière. Mais les sentinelles ne relâchent pas leur surveillance. Que tu es là, tu peux te rendre utile. Suis-moi. J'ai trouvé Clémentine, hein. Il y a peut-être une fleur rouge ici. Pour l'autre là, qui veut des fleurs. Je n'envoie pointe. Non, j'en vois pas. Prépare un plan pour utiliser ce vieux métro depuis un bon moment maintenant.
J'ai même les clés pour commencer. Mais je me rends compte que je fais plus ma grosse voix. Il ne manque plus qu'une pile atomique pour l'alimenter. Je sais que Neko Corporation en cache une dans une usine. Elle contacte qui pourrait nous aider à nous infiltrer. J'ignore son nom. C'est le robot qui porte une veste bombée et une chaîne en or. Porte-lui ce message. Veste bombée et chaîne en or. N'hésite pas à demander de l'aide autour de toi, c'est qu'il regorge d'informations. Ouais, d'accord. Mais d'accord. Mais encore. Non mais enfin comment un mec qui... Enfin la description qu'elle a c'est juste il a une veste et, une... et un collier quoi. Comment il peut l'aider ce type là? Ah c'est pas eux. Dommage parce qu'ils trouvent un max. Ça fait 10 heures que j'attends ce plachy pour m'aider à livrer les chapeaux. Le patron n'est pas content. Il est encore en train de traîner au bar et m'appeler cher. J'appelle au secours! Personne ne peut entrer dans la boutique pour un approvisionnement. Vu la compétence de ces deux-là, ça pourrait prendre du temps. Il m'attaquait quoi? M'attaquait! L'individu arrêté n'était pas Clémentine. Les recherches continuent. Clémentine? Je peux pas aller là non plus, j'imagine. Ah! On a trop peur. Des véhicules, hein. Accès à l'intérieur est totalement interdit et l'ascenseur a été désactivé. L'extérieur est dangereux, accès interdit. Oh, quand je me frotte à ses petites gambettes, ça lui fait peur. Bon alors. J'arrive pas à passer. Alors, veste bombée, chaîne en or. Veste bombée, chaîne en or. Qui porte une veste bombée, une chaîne en or? Papa, toi, tu pars pour aller voir au magasin de vêtements. Ouais, bah, je suis en fait. Pour ça, je demande. C'est toi! Tu as un petit punk qui fait des trucs? Ah oui! C'est Blazer, ça va l'habituer. Ouais, il est dans la cabine. Ah! Je peux mettre de la musique pour le faire réagir, c'est ça? Ah, c'est lui! Thank you.
Je sais pas, j'aurais pas dû faire ça. Ah, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Ah, la musique, quoi. Ah, comment je fais? Ah mince, pardon. En quoi ça m'aide? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il rigole ça. Est-ce qu'il va sortir en faisant foufou? Ah non. Ah mais c'est lui Blazer. Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que t'es juste ça? Oh, t'es avec les ex... mon contact. Je vais t'expliquer pour la pile atomique. Explique-moi, bro. Mais du coup, ça a servi à quoi que je fasse ce que j'ai fait dans la boutique juste à faire chier le monde? Et moi, par la même occasion, parce que la musique est quand même très forte et assez chiante. La pile est en cuisine, Nico Corp. Il est tout prêt. Mais tout le secteur est interdit, lourdement gardé. Je crois que tout le monde est robustique, donc il n'est pas ouvrier. Mais j'ai une idée, trouve-toi une veste d'ouvrier. Il y a un casque d'ouvrier. Ok. Ça se vend? Bon, il y a rien ici, le monsieur. Le casque, bah j'ai la veste mais j'ai pas le casque. Casque d'ouvrier, ok. Casque d'ouvrier, casque d'ouvrier, casque d'ouvrier. Hein. Celui qui est au bar, non? Il devait aider. Bah. T'as pas un petit casque pour moi, toi, par hasard? Mais le bar, c'est pas là, là-bas. C'est le bar? Non, c'est pas ça, c'est de la bouffe. Il est où le bar? Je sais plus. Là. Ah non. Non, non, non. Regardez cette obsession avec la plage. Oui, c'est quoi cette drôle de sensation? C'est le travail, c'est le travail, Sleepy. Il faut bien garder ça à l'esprit. Même pas d'objet à montrer. Ok, c'est une sorte de coiffeur. Je peux monter? Mais si, évidemment que je peux. Vas-y, c'est pour pouvoir voler le gilet, c'est ça. Mais le casque, par contre, j'ai pas d'infos. Non! Mais arrête, chat!
Voilà, ça c'était important déjà. Oh, se rappeler. Le salon coiffure était un lieu de rencontre sociale. Où se rassemblaient les gens, ils y bavardaient, racontaient des blagues, partageaient des secrets. C'était un endroit amusant. Même après le départ des humains, les compagnons ont maintenu le salon ouvert. Ça a l'air que le cheveu n'est pas un ingrédient indispensable dans la réussite d'un salon coiffure. Bon, j'ai pas vu quel souvenir c'était, parce que c'était dans... Ça a été à moitié dans le toit, mais ok. Peut-être que j'escalade un peu après. Je sais que c'est un succès si on... Si mon chat il se frotte à assez de robots. Ok, salon de coiffure ici. Qu'est-ce que c'est ça? Même si ceci me déprime, c'est mon seul tir. Essaye de ne pas faire fuir ce plat. Avant, je tenais un bar. C'était l'endroit le plus confortable du coin. Jusqu'à ce que je prenne un coup de tournevis dans le genou. Et là, j'ai dû fermer. Ok. Il y a un peu de pistou, non? J'ai passé dans la ville en dessous, c'est un ami là-bas. Fifi. J'ai pas vu depuis des vitres. Sacré Albert. Je peux pas interagir avec? Non, je peux pas. Si je me mets sur ton chemin, tu trébuches? Non. C'est trop drôle ça. Et toi? Si je me mets sur ton chemin, tu trébuches? Dis-moi que oui. Oui! Ça. Mais ils tombent plus maintenant, j'arrive plus à les faire tomber, ils trébuchent que. Faut que trébucher. Pourri le trébuchage. Oui, pas sympa. Hein. Oh, ces ruelles sont trop stylées. J'en reviens de là, mais par contre, est-ce que je peux escalader? Surgery. J'ai l'impression que je veux pas trop escalader dans cette ville quand même. Non. Le casque est pas dans le même magasin? Bah non, 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 il y avait pas du tout de casque. Et la musique s'est arrêtée dès que j'ai pris le manteau en plus. Vladi. Avec lui, tiens. Le maintenu, c'est important pour la sécurité. Il y a des boutiques de vêtements et de chapeaux, mais je crois pas qu'ils sont à taille, mon petit. Ah! Attends, des boutiques ou de la boutique? Des boutiques. De vêtements et de chapeaux. Faut trouver la boutique de chapeaux, je l'ai pas encore trouvée alors. C'est pas ça une boutique de chapeaux, ça, c'est un club ça. Voilà, hein, je vérifie, mais il n'y a pas du tout de chapeaux de toute façon. Ok, faut trouver la boutique de chapeaux. Peut-être lui, tiens, il pourra peut-être me dire. Pourquoi tu es si poilu? T'en poses des questions? Fais un berbe. Ah, chapeau! Ah mais oui, voilà, c'est ça. Je peux pas rentrer tant que c'est qui? Stuplachy.
Mais je l'ai pas vu au bar Tuplashi. Je l'ai pas du tout vu. C'est pour ça que j'y suis allée tout à l'heure, c'est que je me suis dit, bah je vais voir un mec qui a un nom bizarre. Et Tuplashi, ça me dit rien. Hein. À moins que c'est lui ? Non. Et lui, je peux pas lui parler. Je peux rien faire avec lui. Ah ! Bah, il était pas là, en fait. Ah, faut que je lui saute dessus. J'ai compris. Et de... Ah, ou je fasse tomber ça. Peut-être bien ça. Hey, s'il te plaît, si. Je sais plus, mais il est par là. Non, il est par là. Aïe. Oh, je vais faire tomber ma bouteille. Tuplashi, apporte-moi. Je peux bâiller en étendant le truc. Bon, l'autre il abuse quand même parce qu'il aurait pu le faire tout seul. Elle est là. Let's go. Let's go. Ok, on a ce qu'il nous faut. Il était où le poteau ? Oh, il s'arrête! Je déteste! C'était par où? Hein? C'était par là? Pas du tout. Pas du tout. Ah oui, c'était près du magasin de vêtements. Il était. Hein? Oh, je peux faire tomber aussi les flics! Alors ça? C'est sympa ça. Mince, attendez, excusez-moi, était où le magasin de vêtements? Chapeau. Était là le magasin de vêtements. Pour ceux qui étaient sur la place, je sais pas pourquoi. Tac, c'est par là du coup. Tiens, bro! Je m'habille. Tu veux bien tourner? Ils ont de la pudeur! Boah. C'est super, ça me boudine un peu, mais au niveau de la taille, c'est rare. Ça me boudine un peu. Ça dans cette boîte, je fais passer pour un contrôle. Je peux pas miauler.
Oh, il va checker la boîte. Je voudrais vraiment miauler. Boudinhead, full Boudinhead. J'avoue que bon. Le problème c'est qu'il a pas un corps en 8, il a un corps en H, du coup ça lui va pas parfaitement quoi. Ah c'est pour me cacher de ça. Vas-y, viens tout seul là. Tu peux m'aider? J'ai perdu effectivement dans cette usine immense. Et sans. Les sentinelles ont refusé de m'aider. Elles ont dit: si tu ne sais pas où aller, il n'y a pas de travail. Il y a du travail ici. Quelle chose, tu pouvais m'aider à les retrouver tout seul à terre en plein temps. Ok, Oliver. Non, ouvrier. J'ai cru qu'il y avait écrit Oliver. Que nenni. Chercher les clés du coup. Retour ici, après être parti me balader sur Twitch. Ah, t'as vu des trucs cool? Welcome back, Hemoglobin Jerk. Ok. Allez, reprendre. He's ok, j'ai dit. Il faut que je le rencontre. Hop, il me demande les clés. Je dis oui. Il n'y a rien par ici, non, c'est juste pour se cacher. J'avais pas vu. Ouvrir ça, ok. Sauf qu'il faut que je passe par là. Trop chiant, je pourrais même pas lui parler. Faudrait que je trouve des clés, hein. Il a pris un éclair dans la face. Mais oui, non, mais je m'attendais pas à autant de violence pour un chaton, quoi. Ils ont demandé à un développeur pourquoi un chat roux? Pourquoi un chat tigré, en effet? Pourquoi?
Je vais regarder quand même si ici il n'y a pas une petite clé. Pas l'air d'y avoir trop possibilité d'accéder ailleurs. Allez par là. Ah mais j'arrive ici. Ok. Un raccourci donc. Le pauvre chien, quoi, il se fait tellement déglingax. C'est trop affreux. Oh, j'atterris là, non, mais trop chiant. J'ai tenté. Mais combien? 1h42 la VOD. Peut-être arrêter la VOD ici. Parce que je sais pas combien de temps dure ce passage, mais ça peut être assez long. Bisous VOD. À la prochaine. Bye bye.